on se retrouve pour une vidéo gaming. Aujourd'hui, on est encore sur Minecraft. Sauf qu'il y a un petit problème. Je suis un poulet. Alors du coup, je vais devoir survivre le plus longtemps possible sur Minecraft avec cette apparence de poulet. Enfin, pas tout à fait cette apparence parce que j'ai aussi de cœur, hein. Mais par contre, j'ai quand même un avantage, je peux planer comme un vrai poulet, donc je peux pas mourir de chute. Alors, si vous voulez d'autres vidéos de ce concept, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, on va commencer. Alors, là du coup, je suis un poulet, donc c'est déjà un mode. Mais, il n'y a pas que ça. Regardez. En fait, pour pimenter un peu les choses, on va dire, j'ai mis quelques autres modes. Et ça va être très dur. Je vais aussi me fabriquer casser un bloc. Oh tiens, j'ai encore du petit bois. Et du coup, je vais me fabriquer des trucs. Oh, mais il y a trop d'herbe. Mais du coup, je vois rien vu que je suis tout petit. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est bon. Mon épée en... j'allais dire en fer, mais non. Non. En bois. Ma pioche en bois. Ah oui. Alors, j'ai montré l'épée en dirt. Oui, tu pouvais faire une épée en dirt. Attends. Ça fait 5 damage. L'épée en dirt, elle fait 2 damage. C'est nul. Alors. Par contre, là, il me faudrait 2. Ok, alors ça, c'est un donjon. Du coup, on va vite s'en aller. Parce que c'est hyper dangereux. Oh non, mais t'as des bisons là-bas. Les bisons, c'est très dangereux. Ah yes, c'est bon, dépouillé. En fait, les bisons, c'est très très fort. Mais c'est pas dans Minecraft classique, hein. C'est un mode. Avec l'épée en bois, je one-shot tes petits poulets. Et du coup, il inflige 5 heures. Du coup, je one-shot. Oh non, mais encore des fourmis rouges. Alors, les fourmis, ils te permettent d'aller dans d'autres dimensions. Mais si j'y vais tout de suite, je vais me faire quai en une seconde, en fait. Ouais, je vais me faire quai en une seconde. Ouais. Génial, c'est tough. En fait, il va falloir que je trouve de la nourriture en continu, hein. Parce que j'ai tout le temps faim. Tic, tic. Pas un truc là. Alors je me souviens que les papillons aussi te font voyager vers une dimension. Tous les papillons. Mais on va pas y arriver parce que elle est beaucoup trop dangereuse. Bam bam bam. Ok, je suis super vite. Oh, aïe. Attends. Attends, ça je crois. Des formules agressives. Attends mais. Ah mais je trouve pas d'endroit avec de la nourriture. Ah si c'est bon. Faut que j'aille là-bas. Oh c'est des grenouilles. Bonjour. Oh une pierre. Ça peut m'être utile. Ah ouais c'est une petite pierre que tu peux lancer. Oh juste non. Alors le jour ça y est mais là ça a été nuit. Non mais attends mais j'ai être cassé par contre là. Là par contre... Oh Whiteness pierre. Donc ça c'est une pierre qui va donner lenteur aux ennemis. Donc c'est très fort en fait. Wow. Attends c'est quoi cet endroit? C'est une pierre. C'est parce que... Ah ok donc ça c'est une pierre de feu. Une pierre. Pourquoi je vais pouvoir lancer des pierres aux ennemis? Ouais, un papillon. Ouais. Oh, yes, c'est des moutons. Enfin de la nourriture. Alors, ça fait partie d'un mode, mais qu'on va pas utiliser parce qu'il va nous servir à rien. Alors, là, c'est minerai bizarre. C'est des fossiles. En fait, c'est pour créer des œufs d'autres mobs, mais c'est des mobs ultra puissants, du coup, on va pas en créer. Voilà, ça servira à rien de les récolter si vous voyez ce que je veux dire.
Ok, non, non, non. Faut vite s'en aller. Faut vite s'en aller. Oh non, non, non. Oh! Ok, en fait, il y avait trois mobs ultra méga puissants. Je vous ai dit que. Un œil de Under. Mais qu'est-ce que ça fait là? Mais qu'est-ce que ça fait là? Aïe? Aïe, dites-moi! Oh bon, il va falloir que je m'éloigne. Hein. C'est. Le mob beaucoup trop fort là. Ah, genre, j'ai pas du tout level, il me faudrait une grande armure. Hein. Truc d'effet? Non? Ah, oh, mais tu peux au moins être une fée par arnaque! Attends, what? What? Attends, qu'est-ce que. Je peux pas nager? Ah bah oui, mais je suis un poulet. Oh, quoi? Je peux pas nager. Oh, sérieux? Oh, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aime pas faire un stuff. Mais en tout cas, c'est pas très rassurant. Bon, Alors, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Bon, je pense que je ferais mieux de partir, hein. Je pense que j'ai créé mes outils de base et que. Ouais, je vais partir, hein, je vais partir. En fait, AI mobs qui sont installés, c'est multi-AI mobs. Donc, c'est que des modes très durs, en fait. Et donc, c'est pas du tout fait pour un poulet comme moi. Mais ça ajoute de la difficulté! Et ça, la difficulté, eh bien, ça, on adore! Ah oui, du coup, je suis qu'un bloc. Et voilà. Là, c'est ma table de craft personnelle. C'est ma base ici. Non, je rigole, c'est pas ma base. J'ai pas mis un saillé ultra longtemps. Ma pioche. Dun, dun. Dun, 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 dun. Oh non, mais c'est encore la nuit quoi. Bon, en attendant, comment je vais sortir de là? Il y a un truc qui s'est écrasé. Attends, si c'était un mob. Oh, s'il te plaît, dis-moi que c'est. Dis-moi qu'il a donné un truc. Allez. Oh bon. J'imagine qu'il n'y a rien donné là. Hein. Il n'y a rien donné, génial. Bon, j'ai utilisé mes blocs pour monter. Ouais, c'est pratique hein, que je puisse pas mourir de chute. Hein. Allez, j'y vais. Non, je vais pas gaspiller mes blocs de bois, je vais prendre des blocs de terre. Attends, mais je peux remonter comme ça en fait. Non! Non! Oh non! Mais non! J'ai débouché sur une galerie d'eau. Je vais faire comment moi? Oh, mais c'est du troll! Allez! Oh, j'ai enfin réussi, hein! Waouh! Immense! De la nourriture gratuite! Non, 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 non. Ah, ça va, je peux y aller comme ça. Ah, ça va. Par contre, je peux pas nager. Je sais pas nager, mais je peux flotter. Ah, regardez. Ça, c'est du maïs. Wouhou! De la nourriture! Ah, il y en a plein. Il y a plein de plans. Piu-piu! Ça va, ça c'est pas une fourmi qui m'attaque. Ah, hop là. J'ai du maïs. Oh non, ça c'est une fourmilière. Faut surtout pas que je m'en approche. Ça peut être des fourmis très très fortes. Ok, donc là c'est bon. Alors. Pam, pam, pam. Mais par contre, attends 2 jours, c'est très énervant. Hein. Genre, le jour, il vient pas avant des milliers d'années. Dun, dun, dun.
Je me demande ce qui se passe quand tu mets un morceau d'armure. Attends, il me reste des blocs de terre. Je vais essayer un truc. J'y vais? Non, j'y vais pas. J'y vais? Ça a l'air bien. Hein. Mais après, comment je vais faire pour monter? Il y a sûrement des mobs. Oh, dommage. J'ai pas l'air. Non, rien ici. Alors. Oh, tiens, c'est des abeilles. Alors, elles sont inoffensives. Hein. Enfin, c'est eux, en tout cas. Non, je vois que toutes les abeilles dans ce mode sont inoffensives. Mais que dans ce mode. C'est quoi ça? Oh, c'est des abeilles. Alors, par contre, il y a la fourmi que je viens de voir. C'était une instable hunt. C'est la fourmi la plus puissante et énervante. Mais c'est pas le petit mob le plus fort. Non, mais les fourmis rouges, sérieux? Ah, mais les fourmis, mais c'est horrible. Ok, donc ça, c'est des fourmis marrons. Ça s'attaque pas. Et à côté, par contre, il y a d'autres fourmis. Ah, c'est bon, enfin, l'aube. Ça va, il y aura plus de monstres hyper cheatés. Je vais traverser ici. Ta ta da, ta ta da 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 da. Allez. Du, du, du. Oh, bon, ça c'est la fourmi, mais je vais pas la casser. Alors, le crocodile, là, c'est inoffensif. Mais par contre, pas le dragon d'eau qui est à côté, du coup, je vais m'en aller, en fait. Alors, dans les vidéos, souvent, en fait, je tourne en rond. Et vers la fin de la vidéo, je me rends compte, en fait, que j'ai tourné en rond pendant toute la vidéo. Oh non, sérieux. J'ai pas des blocs. Si. Ah, ça va, finalement, j'ai pas besoin de blocs. Je sais pas pourquoi. Allez, c'est pas grave. Hop là! Et on y va, je vais aller par là. Enfin, à part s'il y a des bisons qui bloquent le passage, parce que oui, les bisons sont super forts. Oh non, mais il y a une musique super flippante. Minecraft, sérieux, pourquoi vous mettez des trucs comme ça? Oui, parce que ces musiques-là sont mises pour plaisir, hein. C'est pour effrayer un peu le joueur. Hein. Merci, Mojang! Alors, si. Non, c'est bien trop dangereux. Ah, j'hésite. Vous voyez, là, cet arbre géant? Eh bien, c'est un donjon. Alors, déjà, c'est un donjon un peu dur, mais là, regardez, vous voyez ce que c'est? C'est une licorne. Mais pas n'importe laquelle. C'est une licorne de My Little Pony. Et dans le mode où je suis, elle est ultra méga forte et agressive. Oh non, mais ça, c'est un donjon où il y a des ultra forts. J'ai mon allié par là. Non, aïe. Non, il y a des vers. Et les vers, c'est ultra fort. C'est supra fort. Oh là là. J'ai des vrais frayeurs, hein. Ça va. Alors en fait, les vers, c'est que quand tu trouves un endroit où il y a des vers, plus tu creuses en dessous, plus tu vas avoir des vers puissants. Et du coup, à la fin, t'as un gros boss vert qui est super fort mais qui donne un boost stuff. Et du coup, j'ai pas du tout de niveau, même pour affronter un simple vert. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah, je suis un poulet aussi, hein. Et qui a dit qu'il pouvait manger des vers? Allez. Je sais rien, mais. C'est pierre ou des fourmilières? Alors, il y a une fourmilière, mais il y a des pierres aussi. Oh, wow! Alors, je pense que ça va exploser, mais je suis pas vous. Ah, c'est un mob! Oh, non, d'un stab hunt! Oh non, c'est pas vrai! Une bonne pierre. Ouais, je crois bien. C'est quoi ça? Bon, je prends tout. Ok, c'est bon. J'ai pris toutes les pierres intéressantes.
Ok, c'est bon. Je m'en suis sorti vivant et j'ai eu de la chance. Alors, j'ai eu quoi comme pierre là? Ah ok, c'était une pierre de feu. Donc ça va en vrai. Alors, quand vous entendez pierre de feu, vous vous attendez à quoi vous? À une pierre qui donne le pouvoir du feu? Bah moi je m'attends à une pierre où quand tu la jettes sur un ennemi, bah il fait du feu. Bon, alors là, la mer, mais c'est beaucoup trop risqué, du coup on va pas y aller. Oh, des cotes-cotes! Ces gangs des voitures. Tu sais, genre, t'as les autruches, t'as les poulets, il va y avoir les ventades qui vont arriver. Ouais, d'accord, mais j'ai compris pourquoi je tourne en rond. Je suis sur une. Ah! Qu'est-ce qui a explosé? Wow! Ok, je crois bien que c'est un mob très 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 fort qui est là-bas. Alors, j'ai quand même envie de voir ce que c'est, mais après on va s'en aller. J'ai quand même envie de voir ce que c'est. Alors, c'est qui? Ok, c'est. C'est une hydre! Oh ok, ok. Vite, vite, vite. Faut vite y aller. Il y a deux mobs ultra puissants. Faut vite y aller. Non, 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 non. Je me suis attiré d'énormes ennuis. Hein. Enfin, heureusement, je pense qu'il m'a pas vu. Mais là, les deux mobs que vous avez vus. Alors, il y avait des baleines aussi, mais ça, c'est inoffensif. En fait, là, t'avais une hydre de lerne. Donc, un mob très, très, très puissant. Et tu. Oh, ok, c'était juste une boule de feu. Mais tu avais aussi un crabe Zia sur la mer. C'est un crabe géant qui est très 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 fort. Que je n'avais aucune chance de tuer. À moins qu'avec les plus la plus puissante du jeu. Donc ouais, c'est pas mal pour le début. Alors. Je vais aller en haut de cet endroit. Il va y avoir plein de pierres. Wow, c'est du feuillage jaune. C'est haut, hein. Bam. Ok. Je vais aller en haut. En des grandes montagnes. Il y a zéro pierre. Ok, il y a zéro pierre. D'accord. À moins que je... Ouais, je sais pas où je devrais aller. Enfin, mais en vrai, c'est bien d'être une poule. Comme ça, t'es obligé de ne pas rater tes MG. Ah, attends, mais je suis déjà allée ici, non? Oui. Avec une grande pierre, ça devrait aller plus vite. Non. Est-ce qu'il y a un truc Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, en fait. Attends. Allez, je m'en vais vers les cieux. Enfin, il y a plutôt, je tombe vers la terre. C'était quoi, ça? Alors, je crois bien qu'un mob ultra puissant a été révélé, mais je suis pas sûre. Ah si, je me rappelle de cet endroit. C'était l'endroit où t'avais le papillon géant. C'est un boss très 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 fort. Encore une fois, hein, j'ai beaucoup dit... Non, t'en as. Et voilà. Je suis mort par un papillon géant. Et voilà. Génial, hein? Et voilà, je suis mort par un papillon géant. Je vous avais dit qu'il était ultra fort. Alors, problème. Je fais comment, là? Parce que, ok, il y a cet arbre là, mais c'est pas idéal quoi. Bah, genre, quand tu vas accueillir un client sur une map, tu me montres pas un arbre tout pourri. Tu me montres un arbre d'or avec des pommes d'or et des armes super cheatées, ok? Allez. Je m'amuse. Ok, c'est bon. Allez. Ça va, j'ai beaucoup de bois. Hein. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi?
C'est quoi ce bruit? Ah, c'est ça. C'est un papillon de nuit. Ah, qu'est-ce que c'était? Bon, c'est pas grave. Oh, mais arrête de faire du bruit! Franchement, ça attaque pas. Je vais tuer après, vous inquiétez pas. Hein. Pour bien tous. Ok, c'est bon, il est plus là. Il y a de la chance. En fait, je crois bien que les moutons ne donnent pas. Ils donnent pas de viande. Je n'ai pas de viande, les mecs. Ah bon, c'est pas grave. J'ai juste me crafter quelque chose. Un petit truc utile. Ouais. Moi aussi, ben. Quand il fait nuit, ouais, parfait. Ah, j'ai bien dormi. Cocorico! Non, je vais. Ok. Oh! What? C'est quoi ça? Une. Ah bah, il y a des vaches pommes, je vais les tuer. Une maison en blé? C'est quoi ce truc? Attends, mais c'est quoi ce truc? Y'en a. Bonjour, je peux venir? Je suis un prêt. Wow! J'ai de l'alcool. Et j'ai eggs. Ask egg. Stone golem egg. Snapper egg. White goosey egg. Brown goosey. Ah d'accord, ok, c'est un fermier avec lequel tu peux faire des trades. Alors, si tu détruis ta maison, ça te dérange? Ok, c'était ta réponse. S'il te plaît, veux-tu pas, hein, je suis un poulet. Attends, mais en vrai, ta maison, elle est trop bien, hein, elle fait tomber. Ah, zut. Ah! Attends, je peux pas en faire plus. Bon, je vais juste me faire un peu de pain. Oui, Je passerai te voir si j'ai un petit creux. T'es boulanger ou t'es fermier? Ok, du coup, j'ai tué les vaches pommes. Alors, ça peut être des vaches pommes dorées ou des vaches pommes dorées enchantées. Et là, c'est des vaches pommes. Wow, il y a plein de vaches pommes. Oh, ça va, vous êtes des vaches. Ah, oui, du coup, je. Ouais, ok. Donc, ça, c'est un effet du mob. En fait, à chaque fois que je tue un nouveau mob, il se passe ça. Donc, s'inquiétez pas, c'est normal. BAM! Ok, c'est bon. Oh. Oh non, t'as un. Wow! Une vache pomme dorée! Regardez, il est là-bas! Ah, mais du coup, je peux pas affronter, il y a un dragon juste à côté. Oh, tiens, une grenouille! Salut! Oh, encore un donjon arbre! Non, je vais pas y aller, c'est beaucoup trop dangereux en fait. Et donjon arbre? En fait, t'as des mobs arbres camouflés dessus. J'ai jamais aimé ce donjon. Hop. Oh, des maïs. Oh, moustique géant. Ok. Fuite. C'est super méga fort. Je vais me faire surtuer si je vais. Oh. Un joli champ. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Alors, j'en sais rien, mais je vais m'éloigner. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors, ça, par contre, je sais que c'est un bug de la map. Oh, tiens, une pomme. Bonjour, les fourmis. Bon, est-ce que vous voulez qu'on visite une dimension? C'est parti!
Alors, j'ai même pas d'épée en bois, du coup. Bah, dites-moi bonne chance. Oh non! Non! Oh non! Oh non! Je suis allée sur la mauvaise dimension. C'est la dimension des arbres géants, c'est une dimension qui fait énormément laguer. Mais elle est pas difficile. Ah, oh. Ah, ok. Vite. Faut que je touche. Yes, je suis aussi. Oh non, non, oh non. Je suis dans la pire dimension du monde. Je suis dans la dimension Nightmare. Alors, c'est pas son nom, mais j'appelle comme ça parce que c'est une dimension horriblement dure. Je pense que je vais mourir au bout d'une seconde. C'est la dimension des Instab Ends. Et dedans, t'as la structure la plus dure du jeu. Enfin, pas la plus dure, mais la deuxième plus dure du jeu. T'as un mob ultra fort. C'est un boss très très fort. C'est moi? Oh. J'ai trouvé un boss très très fort. Je crois que j'ai trouvé un très bon boss. Attends, c'est pas un dragon pas agressif? Tu m'attaques? Lui, c'est pas un dragon agressif. Oh. Ah, tiens, une pépite d'uranium. C'est très fort en fait. Oh, bonjour. Tu m'as vomi dessus? Je peux te donner ça? Ok, il m'a vomi du charbon. Oh! Ok. Bah, je suis mort en fait. C'est un nightmare qui a volé au-dessus de nous. Mais je préfère rester plus près du dragon. Il va sûrement me défendre si y a un nightmare qui nous saute dessus. Ouais, ce dragon s'appelle un nightmare. Merci pour le charbon, mais gros, je m'en fiche en fait. Ah, ça lag tellement. C'est très dangereux. Mais en plus, là, je vois rien. C'est comme un film d'horreur. Oh, je peux voler sur toi? Allez. Oh, je peux pas voler. C'était quoi ça? Ah, je crois bien qu'il a fait caca. Et du coup, ça m'a donné une deuxième pépite d'uranium. Attends, mais par contre, ça m'a fait ultra méga peur, ils sont. Ça, c'est pas un mob. Ça, c'est. C'est un bloc d'arbre. Ok, ça c'est un mob arbre. C'est un mob qu'il y a dans le donjon arbre dont je vous avais parlé. Voilà. Ok. Oh. Attends, où est le dragon? Où est-il? Oh non, il est plus là. Oh non, 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 non. Ok, ça sert. Oh non, t'as des monstres! T'as des monstres partout! Je crois bien que j'ai vu un Nightmare. Oh là là. En vrai, avant d'avoir des screamers, je préfère me suicider tout de suite. Hein. Bon, attends, je vais me suicider parce que c'est impossible de survivre dans cette dimension. Allez, s'il te plaît, je. Attends. Ok, non, c'est bon. J'ai cru que je l'avais planté. Alors, allez, un petit mob pour me tuer, ça serait bien. Ah, là-bas, il y en a un. Attends, vous savez quoi? Je vais plutôt aller. Ok, non, c'est bon, il m'a trouvé. Faites-moi, là, j'avais prévu d'aller chez les papillons. Ok, c'est bon. Les papillons, papillons. Non, non, non. Aïe! Attends, c'est moi, papillon, m'a attaqué! J'ai ultra peur. C'est comme dans un film d'horreur. C'était pas un nightmare que j'ai vu passer? Ok. Si. Ah! C'est un nightmare, ça c'est un nightmare! Ok, je suis mort, je suis mort. Ouais. C'est. Oh non, 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 non. Aïe! Par Creeping Aura? C'est quoi ça, Creeping Aura? Terrible terror. Ok, alors j'ai juste quitté ce monde parce que là c'est l'apocalypse totale. Oh là là. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Alors, moi franchement, j'ai bien aimé, c'était cool de survivre en poulet, mais avec les mods, c'est beaucoup trop difficile. Genre, et sur ce, à la prochaine!